Eh bien bonjour à tous et à toutes, attention à pas faire bouger la caméra. C'est Darventura pour une nouvelle vidéo. Donc je viens vers vous là, parce qu'en fait donc j'ai acheté récemment une petite Game Boy Advance SP, donc c'était une console que je n'avais pas, qu'on peut trouver dans des prix sur eBay, enfin dans des prix tout à fait corrects. Bon, celle-là, à titre d'information, je l'ai eu à 25 euros. Bon, sauf comme vous pouvez le voir, et bon, je le savais, elle est pas en super bon état. Bon, à part bon, l'écran, bon, encore que l'écran, bon, ça va, il n'y a pas de rayures. Bon, il est juste pas super propre, mais bon, ça va. Mais bon, sinon, la coque en elle-même, voilà, il y a des coups. J'ai même l'impression que le bouton R ne marche pas. Donc, ça, je pense, c'est un truc qui fera l'objet d'une seconde vidéo. Je verrai ça, je pense, avec Fabien. Donc pourquoi je viens là? Donc voilà, donc comme je disais, donc la coque est voilà, était en très trop, je vais y arriver en très mauvais état. Donc ce que j'avais envie, c'était de me la restaurer et puis me faire un petit truc sympa, voilà, pour moi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tac, hop, on va ouvrir la petite boîte. Donc en fait, c'est une coque neuve pour Game Boy Advance SP. En l'occurrence, c'est une comment dire, c'est une reproduction de l'édition NES qu'il y avait eu à l'époque. Alors oui, je précise que le but de cette vidéo, donc c'est de la restaurer pour ma pomme, hein, c'est pas de faire une fausse Game Boy Advance édition NES pour la revendre une blinde, hein, parce que pour les connaisseurs de cette version-là, on la trouve dans les 100 euros, et je crois que 100 euros, c'est sans la boîte d'origine. Non, là, c'est vraiment pour ma pomme, parce que je me suis dit, quitte à changer la coque, autant prendre une assez sympa. Et c'est vrai que la NES, enfin la version, en tout cas la version NES de cette coque, donc existe en officiel, comme je vous le disais à l'instant, me paraissait plutôt sympathique. Alors, donc là, on a le. Hop, ah oui, faut que je regarde en même temps le retour d'écran qui est en face de moi. Donc, on a le cache pile, enfin le cache batterie plutôt. On a ici, on a des vis et un autre cache et le logo Nintendo. Donc, je suis pas sûr que ce soit très très légal qu'il fasse ça, mais bon, alors je vais l'ouvrir. Donc, évidemment, bah, ça tient pas parce que c'est pas monté. Mais donc voilà à quoi ça va ressembler une fois monté. Donc ça va avoir un petit peu de gueule, quoi. Bon, donc voilà, on a ça, on a aussi deux petits tournevis qui sont fournis avec. Alors un truc pas super légal, je sais même pas si je vais le mettre, donc c'est cette étiquette-là. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il n'y ait aucun numéro de série d'écrit pour que je puisse inscrire à la main. On le voit pas super bien d'ailleurs sur. Ouais, vous le voyez pas. On voit pas super bien le numéro de série. Il y est, hein. C'est pas une fausse non plus. Celle-là, rassurez-vous. Bah, de toute façon, ça se voit à l'étiquette, hein. Il n'y a pas le même nombre d'informations dessus. Bref. Donc moi, j'aurais aimé que sur cette étiquette-là, il n'y a rien du tout, quoi. Bref. Voilà. Et puis on a aussi un nouvel, comment dire, une nouvelle glace, une nouvelle plaque pour l'écran, qui me semblait rayée, mais en fait, c'est le plastique qui est par-dessus qui est rayé, mais pas ce qu'il y a en dessous. Donc on essaiera de faire ça. Voilà, donc bah déjà, juste avant de commencer, je vais vous montrer qu'elle marche bien, hein, que je vous arnaque pas. Donc je vais mettre un petit Super Mario Land version japonaise. Hop, et bien évidemment, la cartouche, c'est le syndrome des fameuses petites cartouches. Hop, voilà, donc vous voyez bien, elle démarre bien. Il y a juste, voilà, j'ai l'impression, on va regarder comment elle est, mais enfin, comment il est le bouton, mais j'ai le bouton R qui ne marche pas et qui. Là, c'est le bouton L que vous entendez, et là, c'est le R qui fait pas le même bruit, donc on verra comment ça se présente là-dedans. Bon, voilà, donc elle marche, on est bien d'accord. Donc, la première étape à faire, c'est retirer la batterie. Alors, je crois que normalement, pour les premières vis, dans les deux petits tournevis que j'ai là, je dois avoir ce qu'il faut. Attendez, parce que là, je vois pas bien là. Parce que oui, au niveau des tournevis, on dirait que c'est deux cruciformes, mais il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre. Enfin, je suis pas sûr que ce soit un cruci l'autre. Enfin, bref. Allez, c'est parti, on va enlever cette. Bah alors, c'est l'autre peut-être? Ok, c'était l'autre. Allez, c'est parti, donc on enlève la petite batterie. Hop, voilà, donc là on a la batterie, donc pareil, batterie officielle. J'ai bien cru que j'avais un problème avec cette batterie, parce que quand j'ai reçu la console n'avait pas l'air de recharger. Bon, elle s'est décidée à se recharger finalement, donc ça va, mais bon, j'aurais été un peu emmerdé. Alors, donc ensuite, donc on a ici, a priori, on a 4 vis, donc là, dans les 4 trous qu'on a là. Donc il faut enlever les 4. Alors, est-ce que c'est ce tournevis-là ou est-ce que c'est l'autre? On va vite le savoir. Parce que je ne vois pas bien au fond.
Ah ouais, non, mais je suis bête. Ok, donc c'est avec le tournevis maintenant. Ok, non, mais en fait, celui-là, c'est pas un cruci, en fait. C'est un peu en forme de, comme je vous dis, de patte d'oiseau. Alors, faut que j'arrive à me mettre dedans. Est-ce qu'ils sont pas terribles, ces tournevis-là? Attends, je vais mettre... J'essaie de me mettre à plat, ça sera peut-être plus simple. J'arrive pas à faire tourner la vis, visiblement. J'ai plus l'impression que je suis en train de défoncer le pas de vis. Évidemment, dans ce que j'ai là, j'en ai aucun qui va pour. C'est quoi ça? Ah bah j'en ai un qui le fait. Qui sera peut-être meilleur celui-là. Bon. En tout cas, les tournevis qui sont fournis avec, ils ont l'air bien pourris parce que j'ai réussi à, je sais pas si, ouais, si voilà, j'ai réussi à déformer le manche en l'utilisant. Donc bon. Ah voilà. Bon bah avec celui-là, j'arrive beaucoup mieux. Voilà. Bon bah pour le coup, si vous voulez faire ça de votre côté, je vous conseille de vous acheter un kit de vis pour console Nintendo. Donc j'avais notamment celui-là avec. Donc c'est beaucoup plus efficace. Allez, hop, on enlève les 4 vis. Non, il n'y en a pas 4, il y en a même 5 d'ailleurs. J'ai une bêtise, vous en avez une là aussi, là, j'ai pas vu là, qui est à ce niveau-là. Attendez, je vous l'oriente. Voilà, là vous la voyez. Pour moi, c'est pas évident parce que la caméra est sur ma droite. C'est un peu. C'est un setup un peu différent d'habitude là au niveau micro et caméra. Oui, en plus, je la change. Bon, je la change parce qu'il y a cette coque qui est dégueulasse, mais aussi parce qu'a priori, le vendeur, il m'a mis, vous savez, ce genre d'autocollant. Quand vous l'enlevez, ça laisse une trace pour comme ça, pour, en cas d'SAV, ça prouve que vous l'avez ouverte. Donc maintenant, c'est tout collant en fait. Le problème, ce genre d'autocollant, quand c'est bien fait, c'est pas collant. Enfin, les restes qui sont dessus ne sont pas collants en fait, mais là, c'est juste dégueulasse. Alors, donc, on soulève délicat. Ah oui, non. Ah, ils me disent, il y en a 6, il y en a une là aussi. Et pourtant, je me suis renseigné avant, mais j'ai pas fait gaffe au nombre de vis. Tac, voilà. Donc, normalement, on est bon là. Cette fois-ci. Ah, hop, ah, donc, on soulève délicatement. Voilà. Donc là, on a enlevé la coque. Alors, je vais regarder là pour mon histoire de bouton R. Ouais, bah, ouais, je pense que c'est au niveau du switch ici que c'est naze. Donc, ça, il faudra que je le. Dans le R, il est là. Bon, alors là, l'étape suivante. Donc là, on repasse sur du cruci. Donc, on a trois vis ici. Une, deux, trois. Hop. Donc là, évidemment, vous faites attention à ce que vous faites. Ça serait con d'endommager la carte mère. Il n'y en a plus. Donc là, il faut soulever la carte mère. Alors là, il faut y aller délicatement, en levier un peu comme ça, parce que par ici, vous allez avoir. Alors là, oui, alors déjà. Ah oui, attendez. J'ai là le petit écrou pour le logement à batterie. Donc ça, pareil, on va le mettre de côté. Donc oui, donc là, je disais, donc là, il faut soulever en faisant un peu comme ça levier, parce que vous avez la nappe qui est derrière, qu'il faut essayer d'enlever délicatement. Alors. Ah, vous voyez pas grand-chose, vous, je suis désolé. Ok, voilà, donc là vous avez deux petites encoches à gauche et à droite. Donc vous pouvez essayer avec votre ongle, sinon vous faites ça, voilà, avec votre doigt, donc ce que je viens de faire, puis il est parti tout seul. Ok, donc là on a la carte mère, on va la poser proprement ici, voilà, surtout à pas lui donner de coups. Donc on récupère les petits potards, je sais pas si on. Non, a priori, non, je pense pas que. Oh, couac, en plus ils sont un peu dégueux. On va les récupérer. Voilà, laissez vous récupérer normalement. On verra hein, une fois qu'on aura ouvert l'autre, là, la nouvelle coque. Mettez ces machins de côté. Tac. Ça, je vais le laisser là. La croix, on n'a pas besoin. Toc. On va récupérer l'haut-parleur, par contre. L'haut-parleur. Voilà. Ouais, c'est intelligent. J'ai remis les boutons avant de dégager l'haut-parleur. Tac. Alors, ok, donc là on a. Alors, ah, il y a la mousse aussi, on va la garder pour le petit haut-parleur. Voilà. Ok, donc là on a tout enlevé. Donc là il ne vous reste plus qu'à ouvrir. Délicatement, toujours à cause de la. Bon, a priori, il n'y a pas de raison que ça se casse. Donc maintenant on va aller récupérer l'écran. Alors, l'écran pour le récupérer, c'est simple, il y a 5 vis et elles sont toutes planquées sous ces patins en caoutchouc là. Donc là ça va être autre chose pour essayer à les enlever. On va y aller délicatement. Ok, j'y arrive pas. Est-ce que j'ai un truc? Bah tiens, on va utiliser ces tournevis tout pourris. Ce sera peut-être plus pratique vu que c'est plus fin. Ouais, c'est bien résistant. Bon, ça va qu'on va pas s'en servir. De sitôt. Bon, alors attends. Attendez, là, vu que j'ai presque accès, je vais voir si je peux réussir à tourner la vis. Ok, alors ok, donc là, il me faut l'autre tournevis. Donc il me faut celui-ci là. Donc. En pâte, enfin, je sais même pas comment ça s'appelle ça. Dites-le moi dans les commentaires là. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'avec cette webcam qui fait un peu le point quand elle veut.
Ça ressemble un peu à une patte d'oiseau, je trouve. Enfin bref. Alors, on va déjà enlever cette vis-là, comme ça. C'est fait. Et comme je dis toujours, quand c'est fait, c'est plus à faire. Donc, allez hop, on passe au suivant. Et puis comme ça, vous faites ça 5 fois en fait sur tout le tour de l'écran. Donc, on se retrouve juste après. Hop. Ah bah là, j'ai beaucoup moins de difficultés à l'enlever. Très bien. Bon, une fois qu'on en a fait un, alors là, je pense que je vais galérer sur ceux-là vu qu'ils sont déjà défoncés. Je sais pas comment l'ancien propriétaire a fait, parce que quand même, pour bousiller ces trucs-là, ces endroits-là, je pense qu'il faut y aller. Hein. Sur ma DS Tank, ces trucs-là, ils sont toujours en bon état en plus. Putain, le machin, il se décompose, quoi. Dès que j'essaye de soulever l'autre, le deuxième, j'ai réussi sans problème, parce qu'il était en bon état. Et lui, non mais laissez tomber, quoi. Non mais... Regardez, voilà, il y en a, vous avez vu, j'en ai mis partout avec celui-là. Donc maintenant qu'on a tout enlevé, alors dans quel ordre? J'ai raté une vis qui est cachée sous la nappe. C'est pour ça que... Attendez, il est où? Bah si, c'est mon vrai tournevis ça. Ah ouais, mais c'est... Attends, mais attendez, c'est pas mon cruci, je suis con. C'est une vis cruci. Bon, c'était pas prêt de se barrer là. Bon, autant pour moi. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux là. Ok, donc là, normalement, ce petit bout-là, voilà, il s'en va. Hop, il dégage. Du coup, alors on va tout garder, hop, on va l'ouvrir. Donc on va enlever du coup, vu qu'on a déjà enlevé les vis, hop, voilà. On pousse ça, je fous ça là. C'est le bordel, c'est le bordel. Ok, et là on peut sortir l'écran sans problème. Alors attention quand même à pas trop tirer. Ok, donc là on a une petite mousse visiblement. Non, c'est... Ok, c'est collé. Ok, bon du coup ça, on peut s'en débarrasser. Donc là, la prochaine étape, ce serait de changer la plaque. Mais bon, la plaque, je me demande si vraiment je vais la changer. Elle est juste... Ouais, là, ouais, oh, elle est crade quand même. Parce qu'après, l'astuce, je crois qu'il faut juste tirer. Oui, voilà, c'est collé en fait. On va la changer. Hein. Hop, il faut aller délicatement. De toute façon, c'est collé sur les bords. Donc à tirer sur la plaque en plastique, pas sur l'écran, hein, sinon vous risquez de l'abîmer. On prend notre temps. Pour faire les choses bien, on va décoller dans le coin. Ok. Ok. Bon là, on va mettre tout de suite la nouvelle plaque. Hein. Tac. Hop. Voilà, on va coller. Alors je vérifie que je suis dans le champ pour que vous puissiez voir. Voilà, là, je suis à peu près dans le champ. Donc là, on place la petite plaque. Voilà. Voilà, je crois que là, je suis bon là. Ça m'a l'air bon là. C'est à peu près centré. Ouais, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Allez, donc après, on a un film plastique. Voilà, on l'enlève. Et là, on va commencer à remonter la machine du coup. Donc on va commencer par remettre l'écran, c'est ce qui me paraît le plus simple à faire. Donc on prend hop notre partie d'écran, tac, on l'ouvre. Voilà, on met notre écran. Hop. Voilà. Donc on vérifie que ça clique bien. Et bah c'est ça, voilà, c'est déjà propre comme ça. Bon, maintenant on va prendre les vis. Voilà, on n'y touche plus. Alors, le sachet de vis, voilà, il est là. Ah oui, c'est vrai qu'on a trois. Ah oui, non, c'est vrai, de toute façon, on a trois crucis. C'est pour la carte mère. Et les autres, c'est. Ok, les autres, c'est pour l'extérieur, donc dont l'écran. Donc, on va ouvrir le sachet. Alors, franchement, c'est pas pratique. C'est en deux compartiments. Donc, il y en a un qui est facilement accessible et l'autre, on est obligé de le déchirer pour y avoir accès. Bon, on va essayer de pas tout perdre. On va essayer de mettre ça là. Donc, en gros, là, c'est l'opération inverse. Hein. Tout simplement. D'ailleurs, la Game Boy, de façon assez générale, c'est une console où j'ai pas beaucoup de jeux. Alors, la première Game Boy, la première du nom, vous aurez prochainement pareil en vidéo parce qu'il faut que je la restaure. La pauvre, elle a complètement jauni, l'écran il déconne. Donc c'était ma première console. D'ailleurs, bah, celle que je restaurerai devant vous, c'est ma console d'époque. Mais après, c'est vrai que c'est pas une console où j'ai beaucoup de jeux, où j'ai vraiment... C'est pas elle en fait qui m'a fait tomber dans le jeu vidéo. C'était ma première machine effectivement, mais celle qui m'a fait vraiment tomber dans le jeu vidéo, c'était la N64. Comme vous pouvez vous en douter d'ailleurs, on a fait une vidéo récemment avec Fabien. Et Marie aussi d'ailleurs, il y avait Marie cette fois-ci. Donc voilà, donc si vous avez des jeux éventuellement recommandés, alors j'en ai quelques-uns, hein.
J'ai le Mario Land, comme vous avez pu voir, là, que je me suis procuré très récemment, à un prix, franchement, un prix bien en dessous de la cote, hein, parce que rien que le Mario Land, pour ceux qui savent, c'est à peu près la cote, ça tourne autour des 15 euros, juste la cartouche. Même la version japonaise, hein, j'avais regardé. Là, celle-ci, je l'avais réussi à l'avoir à 4 euros, donc j'étais assez content. Donc j'ai ça, j'ai le Kirby Dream Land 2 aussi, j'ai le Kirby Block Ball, un espèce de casse-brique. Qu'est-ce que j'ai aussi encore? J'ai tous les Lucky Luke qu'il y a sur la Game Boy Advance. J'avais récupéré aussi sur un vide-grenier Jet Set Radio, je l'ai pas encore essayé. J'ai le Donkey Kong Country sur Game Boy Advance, là, un peu le remaster, là. Enfin, le remaster, le portage plutôt. Qu'est-ce que j'ai encore? Je réfléchis. J'ai Mario Luigi sur Game Boy Advance, que j'ai commencé hier en fait, par rapport au moment où je fais cette vidéo. Donc c'est très récent, vous voyez, on était le 15 mai, voilà. 15 mai 2017, pour vous donner une petite idée. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai sur Game Boy Color. Alors là, je vous fais un peu au fur et à mesure que ça vient. Hein, sur Game Boy Color, j'ai le Zelda, l'Oracle. Ah, c'était la version le bleu, là, pas le rouge. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un Oracle of Season. Je sais plus. Enfin, vous me direz. Là, je me souviens plus du nom exact. Enfin voilà, j'ai quelques jeux. Alors donc là, j'ai mis toutes les vis. Il me reste plus qu'à mettre donc les petits caches. Donc il y a les petits caches comme ça qui sont fournis avec. Est-ce qu'il y a un truc à décoller, non? Comment ça marche? Non? Où ça se place tout bêtement? Ah bah ça, ok, d'accord. Je pensais qu'il y aurait de la colle. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la colle. Donc si ça tombe pas. Ça tombe pas. Donc bon, on va aller. Bon, au moins ce qui est bien, c'est comme il n'y a pas de colle sur ceux-là, ils seront très faciles à enlever, quoi. Ça au moins c'est bien. Et ben on avance! On avance, on avance. Alors, on va prendre l'autre partie du coup. Donc, on va l'ouvrir dans ce sens-là. Voilà. Donc, ça, on le met de côté. On en aura besoin pour plus tard. Là, on va enlever le carton. Ah, bah, il y a déjà les. D'accord, ok. Donc, ces petits machins-là, ils sont fournis avec. Bon, très bien. Alors, je vous ai pas dit combien j'ai payé la coque. La coque, je l'ai payé 7 euros des petites poussières. Donc, franchement, pour mettre à neuf une Game Boy, c'est plus que raisonnable. Alors attendez, je vais juste remettre. Comment je peux le remettre? Je vais juste le remettre le temps de passer la nappe de l'autre côté. Ça évitera de tout faire tomber. Je vois pas. Vous voyez pas, mais moi je vois pas non plus ce que je suis en train de faire. On va faire autrement. Comme je vais faire. Voilà. Hop. On la fait passer sur le côté. Et après on pivote. Et voilà. Ouais, c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que avant d'aller plus loin, on va remettre la pièce qui va là. Ouais, on va la remettre tout de suite. Donc la pièce en question, elle se trouve donc dans le haut de la pochette. Voilà, on va mettre ça de côté. On la place. Ok, donc là, c'est une vis cruciforme qu'il faut prendre. Et ça va se mettre ici. Alors, je suis désolé, vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment tout petit. Voilà, là je viens de la mettre. Donc on prend son tournevis et on tourne. Donc là ça tient. Voilà, la petite pièce ça tient. Bon, pas le reste encore. Ça va venir après. Tac. Alors, donc, je retire mon carton que je venais juste de remettre. Voilà. On va y placer. Donc attendez. Ouais, on va y placer, je réfléchissais. On va y placer la carte mère. On va brancher donc la nappe. Alors hop, là ça risque d'être un peu moins pratique. J'essaie de voir comment je peux y arriver. Là, je ne sais pas si je me suis pris de la meilleure façon. Là, vous me direz. Pour rebrancher ça, putain, je sais pas comment je vais faire. Là. Honnêtement, je sais pas comment je vais faire. Ah, je galère là. Je galère. Vous me voyez pas là, vous me voyez pas en entier, mais je galère à mort. Ça se voit que c'est pas fait pour être démonté quand même. Hein. Voilà. Je suis sur le point d'y arriver. Il faut que j'arrive à pousser l'autre côté. Ah putain! Voilà! J'y suis arrivé. Bon. J'espère que j'ai pas trop abîmé la nappe. On verra bien. On aura l'instant de vérité tout à l'heure. Et j'ai oublié autre chose aussi. C'est remettre l'eau-parleur. Désolé. Hop. Attendez. C'est pas bon. C'est pas bon. Je l'ai mis dans le mauvais sens. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est d'abord, hop, la petite mousse et le haut-parleur dans ce sens-là. Voilà, ça marchera beaucoup mieux comme ça, vous verrez.
faites le test. Première fois que je fais ça, et bon, je pense que je ferai pas ça tous les jours. Hop, bah d'ailleurs, je me demande vraiment s'il n'y a pas déjà été démonté. Enfin, vous voyez un peu là, les inscriptions là, où on dirait au crayon à papier sur les composants, c'est assez bizarre. Hop, on met les autres vis. Ah oui, c'est vrai, il est aimanté ce tournevis là. Hop, la dernière. Ok, alors ensuite. Avant de remettre l'autre partie là, il faut penser voilà à mettre le petit écrou qui va là, c'est pour le logement à pile si je ne m'abuse. Ah non attendez non, qu'est-ce que je fais là? C'est pas là? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Non, c'est là en fait. C'est ici. Pour le logement à batterie, hop, on le coince. Je sais pas s'il y a un sens, on verra bien. C'est vrai qu'elle est pas super. Par contre, c'est vrai qu'elle est pas hyper propre. Donc une astuce hein, pour dégager un peu la poussière. C'est pas un nettoyage de ouf, mais bon. Ok, bon, a priori, je pourrais pas faire mieux. Alors, donc là, j'ai le potard. J'ai le potard pour le son. Alors, je vais le positionner. Il est placé. Donc là, a priori, je n'ai rien oublié. Ça a besoin d'être un peu vissé, j'ai l'impression, mais sinon ça a l'air d'aller. Ok, bon allez, on visse. Hop. Heureusement que j'ai ce tournevis, parce que sinon j'aurais galéré. Je vous conseille vraiment, hein, parce que c'est vraiment une daube infâme, les tournevis qu'ils fournissent avec. Évidemment, celui-là par contre, il n'est pas aimanté. Alors, hop, on revisse. Voilà, dans les 6 emplacements au total. Alors vous verrez, une fois qu'on a remis ça, il y aura encore une dernière étape que je vais vous montrer juste après. Alors, autre que remettre la batterie, hein, bien sûr. Parce que si vous avez remarqué, il manque quelque chose à un endroit. J'ai mis de travers. Ah, vous voyez pas non plus. Ah! Ah, cet angle de caméra est vraiment trop zarbi. Donc, comme vous pouvez le voir, on y est presque. Sauf que vous voyez, bah, là, il y a des trous, là. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, et d'ailleurs, ça m'étonne un petit peu, d'ailleurs, qu'on soit obligé de faire ça. Il faut récupérer voilà, ce qui accroche, justement, de ici et là, en fait. Donc là, il n'y a pas 50 000 solutions. A priori, de ce que j'ai vu, faut pousser. Là, je pense que c'est encore une galère là. Ah oui, voilà, ok. Donc en fait, il faut. Vous avez des clips là qui se retiennent en fait ici tout autour. Faut les pousser vers le bas. Donc les 4. Après, vous poussez. Donc normalement, après, vous devrez pouvoir récupérer ce machin là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, j'ai réussi à pousser les deux là, mais je galère. À les faire sortir complètement. Ah bah voilà. Alors là, je comprends pas comment. Pourquoi tout à l'heure j'y arrivais pas. Et là, j'y arrive. Bon, ok. Alors, voyons voir ce qu'on a là-dessus. Donc, on a des potards gris. Ça, je pense qu'on peut les enlever. Parce que j'ai deux noirs là. Ça, en fait, les petits bouts gris là, faut que je les enlève. C'est ça. Ok, donc on enlève les embouts gris. Parce que j'en ai d'une autre couleur, en noir. Voilà. Je mets. Ces petits machins, j'ai galéré, hein, putain. Hop, voilà. Et voilà. Donc ensuite, on n'a plus qu'à les mettre là. Donc il faut que tout soit bien aligné, bien entendu, hein, sinon je pense qu'on aura du mal à les faire rentrer. Là avant, vu que j'ai rapproché les pattes, le mieux c'est peut-être de les écarter un petit peu. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, il y a un ordre. Ah oui, ok, je crois avoir compris. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà, vous voyez. Donc là, on a une encoche là et puis une au-dessus. Je pense qu'il faut tout simplement placer le bitonio de telle façon à ce qu'il passe à travers les encoches. Ouais, c'est ça. Parce que là, il passe. Voilà, faut bien appuyer, il faut le faire rentrer. Parce que là, il n'est pas en entier. Là. Voilà, là, c'est bien mis. Ok, donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on prend l'autre. Donc il faudra écarter un petit peu. Être sûr que ça clip au fond. Donc là on a encore des encoches là sur les côtés. Donc pareil, il faut mettre le truc de telle façon à ce que ça rentre. Ok. Bon, alors, et là, the touche finale. Le petit logo Nintendo en rouge évidemment, bah, comme à l'époque de la NES. Voilà. Voilà. Attendez, je vais voir comment c'était mis. Ok. Nintendo. D'ailleurs, je me demande pourquoi il le place pas d'office. Parce qu'après tout, a priori, il n'y a pas de vis. Enfin, moi, j'ai pas eu un vis derrière.
Donc ça c'est bon, donc on va remettre la batterie, on va s'assurer que tout marche. Je sais pas si je vais mettre l'étiquette, je verrai. De toute façon, ouais, voilà, je vais pas vous apprendre à mettre une étiquette. Ok. Donc là on a fini, on va s'assurer que tout est bon. Eh ben impeccable. Ah, par contre c'est bizarre, il n'y a pas le même jeu, on dirait, au niveau de l'écran. C'est rigolo ça. Que donc en fait on a la position fermée. Là on a un premier écran là, ça c'est curieux d'ailleurs. Ça me paraît, je sais pas, ouais si peut-être. Ouais non, mais non. Non, il voit plutôt. Ouais, donc là j'ai l'impression qu'il y a quand même un défaut. C'est-à-dire que là on a un angle. Je suis pas sûr que ce soit. Dites-moi, parce que je suis pas un grand expert des. Pas un grand expert des Game Boy Advance. Là j'ai un doute sur le. Ça me paraît. À mon avis, il devrait plus être. Il devrait. L'angle en question pour jouer, il devrait plus être. Plus être comme ça. Mais là, pour le coup, j'ai un doute. Dites-moi. Alors, on va mettre un jeu. On va s'assurer que tout est OK. Mais a priori, c'est bon. On va tester les boutons. Et puis, on va se laisser là-dessus après. On va réessayer. Voilà, le petit Mario Land japonais. Tac. Ok. Est-ce que mon bouton droit. Non, le bouton. Attendez. Non, mon bouton droit marche pas. Toujours pas. Donc il y a bien un problème au niveau de la carte, donc à ce moment-là, je... Attendez, hop. On refera une autre vidéo, on verra avec Fabien, je vais voir ça avec lui, parce que moi j'ai pas de fer à souder. Parce que c'est-à-dire qu'il faut dessouder le petit bouton, le petit switch que vous avez vu là, à peu près au niveau de la carte, ici, là. Et le dessouder et en ressouder un neuf. Et ça coûte rien, j'ai vu, on peut en trouver une dizaine pour 1 euro, 1,20 € même moins, enfin bon, frais de port gratuit. Ok, je teste un peu tous les boutons, hein, pour vérifier que tout est ok et tout a l'air bon. Par contre, eh non mais, ouais, non mais c'est pas le... Je pense qu'il y a un jeu à faire. Je pense qu'il y a un jeu à faire, hein, parce que jouer comme ça, ça me paraît pas normal. T'as y avoir, ouais, à mon avis, il faut peut-être travailler un peu le plastique, je sais pas du tout. Ouais, voilà, parce que, ouais, je sais pas, là franchement j'ai un doute, là. Est-ce que j'ai trop enfoncé les trucs, peut-être? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai l'impression qu'il y a un souci avec le haut-parleur. Ok, bon, pour essayer de résoudre mon problème d'haut-parleur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le haut-parleur, puis j'ai remonté les deux petites pattes, là. Voilà, c'est vrai qu'elles étaient bien plates, à mon avis. C'est pour ça que ça faisait pas super bien contact, donc je vais le replacer. Eh ben voilà! Voilà. Faut pas hésiter à. J'ai l'impression à. Je vais baisser un peu. À appuyer un bon coup sur les boutons là. Pour qu'ils se mettent bien en place. Et puis ouais, c'est bon. Voilà. Tac, tac. Vous voyez rien. Je teste un petit peu, hein. J'essaye de jouer via l'écran de la. Donc via le retour de la webcam. Je dois vous avouer que c'est pas évident. Bon, en tout cas, ça a l'air bon. Ça a l'air impeccable. Ça a l'air impeccable, bah oui, écoutez. Hein. Bon, j'ai pas moyen de tester le select dans ce jeu-là. J'ai un jeu. Ouais, j'ai un jeu où on peut. Voilà. Au moins je vous fais la vérif devant vous. Donc j'ai le petit Mario et Luigi là dont je vous parlais tout à l'heure. Le select il marche. Voilà, on va bien dans le menu là. Par contre, je pense que. Voilà, le R par contre il marche pas. Là, je devrais pouvoir switcher en fait entre Mario et Luigi. Et je peux le faire qu'avec le L. Enfin non, moi je devrais pouvoir le faire avec les deux, mais le R marche pas. Donc il y a le bouton à changer là. C'est rien de méchant, hein, franchement. Mais bon, ok. Mais voilà, par contre, moi, ce qui me dérange, comme je disais tout à l'heure, c'est cet angle de qui se remet par défaut là. Est-ce que c'est pas un problème? Je sais pas trop, je vais regarder ça, mais pourtant j'ai l'impression que c'est bien mis. Voilà, donc c'était comment changer sa coque de Game Boy Advance. Donc peut-être que moi j'ai pas de peau au niveau de la charnière, j'en sais rien. Pourtant, j'ai oublié aucune pièce. Enfin, il y en a partout. Là, c'est les restes de l'autre coque. Voilà, bah, le résultat est quand même pour 7 euros. Mis à part, a priori, le souci de charnière. Je vais regarder ça, s'il n'y a pas moyen d'essayer de le résorber. Après, il faut peut-être faire un peu le plastique, je sais pas. Bon. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, je sais pas si je vais mettre l'étiquette, là. D'ailleurs, je sais même plus où elle est, là.
Est-ce que je vais mettre l'étiquette ou pas? Je sais pas. Je verrai. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir mettre le numéro de série original de la machine. Parce que là, moi, c'est simple et moyen. Voilà, bah écoutez. Bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis voilà. Allez. Salut!